Bonjour à tous et à toutes, c'est ce bon vieux kéké. Et cette fois, on engage le rapport de force avec Dr. Willy. 4 stages à faire, dont un stage qui est extrêmement rapide. Et là, on va tout de suite commencer avec le premier niveau. Ah, je me trompais de touche. Tiens, il prend pas de petite pause le Dr. Willy, contrairement aux autres robots? Ah si. Oh là, il prend une sacrée pause même. Et alors, il va en faire des froncements de sourcils. Hein. Et donc là, tout de suite, on va s'attaquer à un mythe. C'est-à-dire au premier boss de ce stage. Je vais vous montrer le pouvoir de Bombman, pour rigoler. Surprenant. Non, ça sert pas à rien. Ça sert à rien ce que je fais. Oh, je suis dans la merde. Comment on fait? On utilise Iceman. Du coup, là, faut les geler. Passer en dessous. Je crois qu'ils sont plutôt sensibles au pouvoir de Gutsman. C'est dire comme c'est utile quoi. Parce que déjà un bloc de Gutsman ne les one shot pas, j'ai déjà essayé, je me suis déjà fait casser la gueule. Ouais, c'est pas grave. Si mon mieux c'est de les geler hein. Regardez comme c'est résistant ces merdes. Bon, sur ces belles paroles, on en a encore un dernier. Et après on pourra leur dire définitivement adieu. Allez, on va le geler en plein. On va faire fi des lois de la physique. Salut copain. Alors là j'ai déjà réussi à les habiller, à les détruire. Ces gerbes de feu, je sais pas comment je m'y suis pris. Je vous assure qu'il y avait un moyen. J'ai déjà réussi à les détruire en fait. Peu importe. Là, le plus important, c'est de geler le premier, parce que les deux autres sont possiblement... sont possibles. Ça veut pas dire que... c'est automatique. Hein? Ça veut pas dire que c'est automatique. Ah, je suis dans la merde. Je suis dans leur caca. Et là, j'ai fait l'abruti avec... Ah, il est dur à attraper lui aussi. Peu importe. Hop hop hop, là je suis vraiment pas d'accord. C'est relou hein. Ce pouvoir de Fireman, ce que j'ai oublié de préciser, c'est qu'il va nous créer un petit bouclier aussi. Après. Ah putain! Je l'ai pas eu. Après le plus pratique ça reste quand même Elecman. Hein. C'est surpuissant quoi. Tiens pour la gloire. On est content. Ça sert à rien. Et faut pas trop que je spamme cette capacité d'ailleurs, je viens de penser. Donc là j'ai un checkpoint. Là on se met. Parce que lors de mon let's play foireux. Oups, je le sentais fail. Lors de mon let's play foireux, je suis mort énormément de fois à ce niveau en fait. Celui que j'ai supprimé parce que là.
la voix était bien trop faible par rapport au niveau du son du jeu. On a encore un passage de merde avec des plateformes comme ça, donc on va essayer de le faire à la loyale pour commencer, en espérant que ça me fasse pareil que pour Iceman, c'est-à-dire que j'arrive du premier coup. Ouais, j'ai les plateformes au cas où. Non, on va mettre ça. Oh là là, c'est beau ça. On va se recharger en électricité. On s'en fout de prendre le coup. Et c'était assez aussi important de pas spammer ces conneries là. Là normalement, on a besoin d'en user que deux. Hop là, qu'est-ce qui nous arde en haut? Ah ouais, on a déjà le mythe. Donc là on va s'attaquer à un mythe. C'est vraiment le... un boss palier en fait. Le casseur de débutants. J'ai nommé le Yellow Devil. Et puis on va s'entraîner aux Jeux Olympiques, au saut de haie notamment. Je peux m'aller, Megaman, médaille d'or, c'est parti. Oh, ça m'a surpris d'entrée de jeu. Là c'est le saut en longueur. On attend un petit peu mais pas trop. Et là faut faire un mini saut. Et boum. Et le pattern reste le même tout le temps. C'est-à-dire qu'en fait une fois qu'on s'est entraîné... C'est pour ça que c'est un boss qui est retort. Mais juste... Et j'ai pas les... Oh là là. J'ai pas les frames en fait pour y tirer, pour le toucher deux fois entre sur chaque passage. Si vous voyez ce que je veux dire, hop. Saut en longueur. Attends un peu, saut moyen. Micro saut. Parce que le plus retort, c'est pas l'avant-dernier bloc, c'est... Ouais, oh là là, j'avais en train de me remettre sur... J'ai mon micro qui glisse, mon casque qui glisse. Ah, les aléas du direct. Je viens de le replacer. On va pas mourir maintenant. Donc faut pas perdre le rythme. Merde. Pardon. Donc c'est un boss qui est compliqué, mais qui est juste. Allez, on prend une petite inspiration, puis on va le torcher. C'est parti. En fait, il me faut faire, je crois, 5... Si je fais 5 phases parfaites... Non, si je fais 2 phases parfaites, c'est bon. Je peux me faire toucher pendant une phase. Me faire toucher une fois pendant chaque phase, pardon. Je sais pas si j'ai été clair, je pense pas. Peu importe, je suis concentré sur autre chose. Donc bien sûr, au fur et à mesure, l'étau se resserre. Oh non! Je sais même plus où j'en suis, 3 sauts. Voilà, hop, hop. Saloperie! Allez, c'est vraiment David et Goliath là. Allez, Megaman! Non, allez, là, c'est là le saut en longueur. Connerie. Hop, 3 sauts faciles. Le saut en longueur. On attend un tout petit peu. Voilà, le micro saut. Après, je veux dire, quand on a fait Iceman, timer les petits sauts, c'est plus un problème. Par contre, je tire trop tôt et du coup, je me prends son laser. Merde. Ah là, je fais un saut en longueur. Hein. Mais je suis pas obligé, je pourrais très bien faire Je vais essayer de le faire là, quitte à crever. Voilà. Et je me suis avec, du coup ça m'a mis en retard sur les autres. Ça m'a mis en retard pour les derniers blocs, ça m'a cassé mon rythme. Du coup je me suis pris le dernier. Mais vous avez vu l'idée. Et nous en avons fini avec ce diable jaune. Ce qui fut un combat diablement difficile. Oh oh oh. Allez, première stage de la forteresse du Dr. Willy. C'est du passé. Là, on attend Hop Buster. Là, c'est un troll, là. Ouais. C'est qu'en fait, il y en a deux qui arrivent si on s'approche pas trop. Enfin, si on s'approche pas assez. Et qu'on saute en anticipant. Hop, la technique du spam.
serais censé utiliser Gutman là, mais je peux pas. Ah, c'est dommage, ça aurait été bien que je vous montre un combat de Gutman avec le pouvoir de Gutsman. Ah, c'est pas grave, je fais n'importe quoi. Alors, les gens ils vont se dire, mais il arrive à faire le Yellow Devil tranquillement, et par contre, il se fait éclater par Gutman. Eh bien, oui. Là, j'ai besoin de la vie. Ah, je suis pas rassuré. Qu'est-ce qu'on va prendre? Ouais, on va reprendre le pouvoir d'Elecman. On s'en fout, c'est de la vie que je veux. Qu'est-ce qu'on a? Putain, non. Oh non. Oh non, toi, tu fais trop mal. Bah oui, toi tu fais trop mal. Ah, je pensais que j'étais mort. Ah non, les bombes là ça va. C'était calculé? Non, pas du tout. Voilà, on prend le rythme. Par contre, ça va pas le faire le boss. Allez, on va utiliser le pouvoir le plus inutile. Attention les oreilles. Là, c'est pas vraiment une histoire de moduler sa difficulté, hein, c'est que j'ai pas le choix. Hein. On s'emmerde pas. Elecman. Ce serait bien qu'il me laisse de la vie. J'ai besoin des poids. Ah non. Je m'en fous. Bon bah on va utiliser une technique. En fait on va affronter un clone de Megaman qui va totalement copier nos capacités. Il est sensible au pouvoir de Fireman. Mais le hic, c'est que il est plus résistant que nous. Du coup la technique en fait c'est d'utiliser les tirs plateforme. Quand il est près de nous. Essayer de sauter par-dessus ou d'attendre qu'il se souvienne de lui-même. Se retrouver tous les deux à l'opposé de la pièce. Et là on passe sur Fireman et on l'avoine, on évite son tir de feu qui est du coup prévisible en fait. Il se rapproche, on appuie sur start, on fait directement Fireman, on l'évite. Enfin pas Fireman, on repasse au tir plateforme, pardon. Oh là là, je pensais que j'y étais là. Oh, c'est pas grave. Au moins, on va l'affronter full vie. C'est beau, ça. Un coup dans l'eau. Allez, on perd pas de temps. Ah, le jeu est généreux avec moi. Kamikaze. Donc c'est là que c'était casse-couille. C'est n'importe quoi ce qui vient de se passer, j'adore. Allez, on reste lucide. Faut bien rigoler un peu. Je sais même pas pourquoi je reprends des munitions pour ça. Comment on va s'en sortir?
parler, on va être intelligent, hein. Anticiper les tirs et voilà. On va prendre de la plateforme au cas où. Je sais plus si j'en ai besoin pour la suite du niveau. Donc j'ai plus de tir électrique. On va passer sur Cutman alors. Vu que je suis mort dans les pics, là je me souvenais de ce qui se passait. Et voilà, Cutman est utile. La preuve en image. Donc c'est sur cette salle avec un décor aux allures de Rubik's Cube que nous allons affronter notre pire cauchemar. C'est-à-dire nous-mêmes. Avec cette musique lancinante. Ah, il s'éloigne directement, ça c'est notre chance. Ah, faut aller pas sauter là. Ouais. Ah oui, je comprends pas en fait pourquoi des fois le bouclier... Bon, on va bourriner. Chance que je gagne le trade. Ouais. C'est moi qui suis mort ou non? C'est bon. En fait, des fois, le tir de feu reste enclenché. Je ne comprends pas pourquoi. Et ma foi, je pense que... sur ces belles paroles, on va arrêter la vidéo. Hop là. Maintenant, on peut arrêter la vidéo. Et donc voilà, c'était une bonne... ce fut rigolo. Allez, je vous dis merci de m'avoir suivi. Et puis à bientôt pour l'ultime partie de ce Let's Play Megaman. Nous allons définitivement mettre un terme au règne de terreur du Dr. Willy. Mais avant, on va faire un petit peu de plomberie. Mais ça sera pour le prochain épisode. Allez, salut à tous et à toutes, et merci de m'avoir supporté.